Salut à tous, c'est NifexSuite, on se retrouve sur Plants vs Zombies, Cartoon Warfare 2. On va partir pour faire les 4 du Docteur Patient, voir un petit peu ce qu'il a à faire. Docteur Patient, cervelle. D'accord, ça c'est répétitif comme son discours. Vous donnez un traducteur zombie zombie. Réglage des paramètres, que cerveau, comment ça? Réglage paramètres, mieux que ça. Notre grand chef, le Docteur Zomboss le Grand, a des choses à dire. Pensez écrire dans un livre. C'est-à-dire, ah ok, il écrit directement là-bas. Apparemment, il y a différentes quêtes qu'il faut faire. Bah écoutez, on est parti dessus, on va essayer de faire tout ça. Difficulté standard, difficile dingo. Enfin, ah, on peut changer. Est-ce qu'on partirait pas sur des niveaux dingo? Enfin, j'ai aucune idée si c'est vraiment totalement impossible à faire ou pas. Ah, j'hésite. Ah bah, mais difficile, peut-être pas exagérer non plus. Pas trop poussé, je pense qu'on peut les refaire de toute façon après en dingo. Enfin, bah écoutez, allez, on lance invitation cordiale. Le Docteur Zomboss organise une petite compétition pour voir s'il existe un zombie assez intelligent pour trouver son laboratoire secret. Oh, démarrer la quête. Les zombies doivent aller voir le Docteur Zomboss. Vous devez trouver des cervelles et la porte, et aussi des cervelles. Trouvez porte secrète pour devenir intelligent, devenir meilleur zombie. Pour savoir où est la porte, c'est quoi porte? Tony Bolognaise, c'est où trouver la porte. Pour savoir où trouver Tony Bolognaise, trouve Bolognaise. D'accord, cervelle. Ok. Invitation cordiale, quête zombie. Oh, petite téléportation. Alors, comment ça se passe? Objectif, parler à Tony Bolognaise, inachevé. Bon, on y va, on va l'achever cette quête. Et tu mets les petits trophées par là. Oh. Ah, d'ailleurs, il y a la flèche qui indique lequel tu. C'est cool. Lequel tu utilises sur le moment. C'est bon, ça va. Ça, à chaque fois, ça me perturbe ce truc en couleur là. Cervelle, j'ai envie de danser. C'est plus fort que moi. Pourquoi ne dansez-vous pas? Enfin, mais je vais direct secret, mais d'abord faisant concours de danse. Je commence. Ouh, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est genre un. Faudra appuyer sur les touches peut-être? Oh, le délire! C'est déjà cette quête qu'ils ont pu ajouter. Il s'est éclaté. C'est cette petite quête qui passe bien. Mince, je me suis fait mal. J'ai mal partout, je ne peux plus vous aider. À quel boulet? Allez voir Bart dans les égouts. Bart pour aider. Je vais m'allonger par terre, me reposer un peu. D'accord. Donc je sens qu'on va nous faire courir dans tous les sens. Pas la tenue bolognaise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la lumière qui part? Okay, c'est qu'il a un petit peu cassé le truc. Parlez à Bart. À Bart dans les égouts. Donc il part ici. Bah écoute, on y va. Ah, c'est sympa cette petite zone, tiens. On a un petit coffre là, c'est carrément moyen de l'ouvrir. Mais t'es sérieux, toi? T'es sérieux, mon gars? Allez, vas-y. Voilà, prends ça. Est-ce que j'ai assez d'étoiles? Normalement, j'ai quelques étoiles qui traînent. Enfin, j'ai fait toutes mes quêtes. Moi, juste une. J'attends 2 jours pour que ça revienne, enfin, 1 jour et demi. Ouvrir le coffre pour 3 étoiles. Écoute, bah vas-y, fais-le à péter. Qu'est-ce qu'on obtient? Enfin, décoration égyptienne. Oh, sympathique. Sympathique comme tout. Bah écoute, je te remercie. Et nous, on va parler à deux. Comment s'appelle le Bolognaise là l'autre? Monsieur Bolognaise. Enfin, pas du tout, à Bart. Cervelle, vous sentir mauvais. Vous voulez savoir où il y a porte secrète? Faites meilleur temps que Bart au pompon sur cible. Quand vous finissez, moi de l'autre côté. D'accord, donc je pense que c'est le stand tir, un truc comme ça. Ouais, ça ressemble. Oh, attends, ça peut qu'on nous sentir. Mais directement dans les égouts. Par contre, le problème, c'est que je sais pas, je suis très rapide avec lui. J'espère que oui, en plus, il met toujours du temps. Quand tu dégages. Ah, là, t'es un bon. T'es un bon, c'est comme ça que je les aime. Quand il meurt le plus vite possible. Non, pas bouger. Pas bouger la plante. Voilà, t'es une bonne. T'es une bonne plante. Bon, l'avantage, c'est que j'ai une grosse cadence de tir. Je peux y aller en mode gros bourrin. Il te recharge. Ouh, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Aussi valide. Vous pouvez y aller comme ça. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal que ça finalement. Pas si mal que ça. Où est la suite? Où est la suite? Faites-moi tout. Oh, oh, oh. Vite. Tac. Ouh, c'est efficace ça. C'est plutôt efficace. Allez, vite. Touchez ici pour terminer. Yes. Est-ce que c'est un bon score ou pas? Un bon timer. Vous avez une cervelle. Je vais vous dire comment trouver la porte du Docteur Zomboss. On n'a même pas le timer? Oh, je suis déception. Oh, une patate. Où ça? Oh, la petite mine patate d'amour, elle est tellement mignonne, je trouve super bien fait, non? Elle est tellement chic. Oh, 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 ça picote les yeux. Par contre, je suis quand même décidé d'avoir pas eu le timer. J'ai pas vu le temps que je faisais. Je pensais qu'il y avait un petit timer par rapport aux autres, ça va un peu se comparer. Mais non, faut. Mais de toute façon, on peut se comparer au niveau du stand tir, on peut faire ça à l'intérieur. Il faut déverrouiller en fait l'entrée. Je crois que c'est 3 étoiles. Il faut avoir accès comme ça au stand tir. 4 terminées, récompense 2500 pièces, allez quand même. Bon, pas grand chose, c'est facile tout ça. Oh, bah j'aime bien cette petite quête. Allez, vas-y. Pas de bolognaise. Pas de problème. D'accord, donc invitation cordiale, c'est fait. Ah, du coup, on peut même. Est-ce que ça change quelque chose de changer les difficultés? Est-ce qu'on gagne plus? Peut-être qu'on gagne plus de pièces, c'est possible. Bon. Pas de bolo, pas de problème. Vous devez trouver un appareil pour localiser la porte du labo, mais l'appareil est perdu. D'accord, l'appareil est perdu, bon, on va le retrouver. Le seul moyen de trouver la porte, c'est d'utiliser un détecteur de porte. D'accord, un détecteur de porte. Oui, c'est normal. Le problème, c'est que le détecteur a disparu. Alors, trouver le détecteur, trouver porte, cervelle. Peut-être détecteur dans base de plantes. Ok, pas de boulot, pas de problème.
Le gars comme ça au calme, on voit directement à la base des ennemis. C'est normal. Par contre, tu veux que je fasse quoi? Utilise téléporteur inachevé. Mais genre directement dans la base des... Oh, tu veux que j'arrive dans la base? Oh, je le sens bien. Je le sens bien. Bonne cervelle. Peut vous aider à entrer dans la base des plantes. J'essaie un nouveau téléporteur. Vous m'aidez, c'est sans danger. Sans danger, perso, connaissant l'intelligence des zombies, j'ai quelques petits doutes. Sauter dans le téléporteur pour arriver à la base des plantes en moins de teuf. Bon bah écoute, si je peux te foncer dessus. Allez, juste pour le plaisir, c'était gratos. J'ai peut-être dû garder par contre pour le... Ouais. Pour quand je suis dans la base. D'accord, son truc n'a pas marché. C'est affreux, il m'a renvoyé dans la base. Ok, je suis un nouveau Ok, je suis téléporté un peu partout. Fond. Espèce d'abruti, qu'est-ce que t'as foutu? André Rur. Il y a peut-être un problème. Effectivement, tapez dessus encore un peu avec le marteau. Fond. Voilà, c'est prêt, cette fois c'est sûr, essaye encore. Prochain arrêt, base des plantes. Ouais, bon, j'ai toujours pas confiance en toi, mec. J'ai un petit coup pour le plaisir. Ouais, non. T'as l'air de pas très. T'es pas très réactif quand même, comme gars. Niveau, ouais. Niveau intelligence, c'est parce qu'il déborde. Est-ce que ça fonctionne? Ouah, ça a l'air de fonctionner à peu près. Coucou tout le monde! Elles m'ont vu ou pas? D'accord, elles ont l'air ok comme ça direct, elles me changent. Oh, bouffe ça! Oh, mais quel abruti, il m'a retéléporté! Il m'a retéléporté, j'y crois pas. Donc on est vraiment entouré d'incapables, on est d'accord. D'accord! Je sais ce que vous pouvez penser, ce que vous pensez, ce n'est pas la base des plantes. Effectivement, il y a beaucoup de roses. Si ça se trouve, le filtre à air est encore bouché. Cette fois-ci, direction la base des plantes, c'est sûr. Ouais, voilà. Niveau confiance. Oh, salut nous tous. Est-ce qu'on peut enfoncer dessus? Je sais pas, je me demande. Ouais, je sais pas. Bon, je vais faire défoncer, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Comment te dire? Est-ce que je pourrais? Mais ils sont partout. Ils sont partout, je peux rien faire. Oh, merci. Merci, espèce d'abruti, t'as fait me tuer. Réparé. Ah bah, t'es gentil. J'ai trouvé le problème. J'avais oublié de désactiver le mode de test. Promis, cette fois, ça va marcher. Entre cervelles, il faut se faire confiance. Ouais, mon niveau de confiance en toi, franchement. Ils sont trop cons. Oh, mais c'est énorme. Oh, j'aime ce jeu. Franchement, c'est magique. Oh, mais c'est des grands malades. C'est des grands malades. L'imagination qu'ils ont pas dans le genre. C'est vraiment un monde, quoi, plein de versus zombies. Oh, salut toi. Nous revoilà, vous revoilà. Je crois que nous avons cassé le téléporteur. Pas de problème, pendant votre absence, j'ai construit un gros canon au fond. Perso, rentre dans un gros canon que tu as construit toi, comment te dire que c'est pas possible? J'ai pas du tout confiance, monter dedans, mais non mais, même pas en rêve quoi. Je ne monte pas dedans, enfin, inachevé, ah il est là. Oh là là, mais t'es pas sérieux. En plus son gros canon il est même pas bien positionné. Ça c'est la base des plantes, des zombies. Moi je vais aller là-bas, vers la base des plantes. T'as vu la base des plantes? Base des plantes, ah quoi que, peut-être qu'il a raison. Est-ce que c'est le truc là-bas au fond? Enfin, non. Je vois pas la base des plantes depuis ici. Ah, est-ce que c'est l'autre côté, là, tu dis quoi? Ah oui, c'est l'autre côté, c'est là-bas. Donc ouais, c'était pas bien... Bah ok. Le canon sert à rien, il est pas au bon endroit, ça c'est clair et net. Oh, je me suis fait téléporter. Bon bah écoute, téléportation, ça a l'air de fonctionner pour le moment. Salut tout le monde. Vous faites pas spécialement peur en fait, quand vous expliquez ça. Voilà, prends ça mon gars. Allez, petite protection, au calme. Donc je me les fais un par un. Parce que je suis plutôt bien équipé là, avec le sportif, j'ai plutôt confiance. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Petit sprint, totalement foiré. J'ai voulu me foncer dessus, j'ai un petit peu raté pour le coup. Tu meurs, merci. Aïe 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 aïe, pousse-toi, tiens, prends ça. Amuse-toi avec mon petit truc, et prends un petit explosif au passage. Oh, ça picote. Ça picote, je prends quand même cher là. Je prends quand même un petit peu cher, mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri, j'aime pas trop ça. On se calme, ils arrivent d'ouf. Il y a un pistolet poids là qui est pas loin. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Il est juste là. Salut mon gars. Non, c'est pas cool ton explosif. C'est pas cool du tout, comment te dire? Vas-y, fais vite. Ils sont quand même bien costauds. Bon, j'ai mis à moitié des tirs à côté, mais quand même. Ça reste quand même plutôt costaud. Tiens, est-ce que ça le touche? Non, j'ai pas le touché, je pense. Ça me paraît un peu compromis. 50 de vie. En même temps, c'est plus difficile, je pense. Pour ça, il faut se battre. Il faut se battre parce qu'on a nulle part où se mettre à l'abri. Attends, je vais aller là-bas. Ah, il faut que j'aille là-bas. Récupère un peu de vie. Récupère un petit peu de vie calmement. Aïe, t'es sérieux? Dégage, je t'avais pas vu. Tiens, sprint taclé. Boum. Ah, j'ai pas fini par contre. J'étais pas fini, j'ai même pas que t'es tombé. T'es tombé où, mon petit? Viens là. J'ai pas fini mon travail. Je pensais toi. Voilà. Ça a pas fait long. Ça n'a pas fait long. Qu'est-ce qu'on a par ici? Le fameux tableau. Est-ce que c'est ça? Oh, le bâton, faut récupérer le détecteur. Oh, c'est stylé. En plus, un succès. Quête terminée. Derrière les lignes ennemies. Entrer dans le salon des stats des plantes en jouant un zombie. Ah, parfait. C'est cool ça. C'est parfait. Alors, dis-moi tout, docteur Passion. Cerveau tastique. Excellent. Trouve détecteur de portes secrètes. Moi, regardez. Alors, ah bah ça avance vite, ça avance vite. Après, badge meilleur zombie, badge recrue. Oh, apparemment, il y a des trucs à faire. Ça me plaît tout ça, ça me plaît fortement. La récompense, c'est fait. Attends, terminé, terminé. Est-ce que si je change de difficulté? Non, ça indique terminé aussi. Ouais, je sais pas exactement ce que ça change, je vais changer la difficulté. Peu importe, le serveur des anciens.
Le détecteur de portes secrètes ne fonctionne pas. Il nous faut l'avis d'un expert. Bah, écoute, je suis là pour ça. Détecteur de portes secrètes très ancien ne fonctionne plus. Un seul zombie savoir quoi faire. Alors, voir 7 Zen. Lui très ancien aussi, sans la naphtaline. Tu m'étonnes. Oh mais ils sont fous. Le savoir des anciens. Alors, déjà un petit coffre direct comme ça. Je loue, je sais pas combien il reste de pièces, mais j'ouvre. Je profite d'être là. Machine à pot smart. D'accord, je sais pas ce que c'est qu'un pot smart, mais ça a l'air stylé, donc je suis content. Ça souffle ça? Oh, est-ce que ça souffle pas? Non, je... Oh, quoi que! Vas-y. Attends, on peut voir à l'intérieur, c'est pas moyen de faire quelque chose, je sais pas. Fonce dessus. Non, mauvaise idée! Mauvaise idée. Quel boulet. Quel boulet. Comment je fais maintenant pour y retourner? Est-ce que je peux me téléporter ou... Ah, c'est qu'un escalier tout bêtement. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être un escalier tout bête. Effectivement, je le confirme, un escalier. Je me suis pas téléporté bien loin pour la quête, c'est pas bien grave. Donc là, on peut mettre des petites tourelles. Sauf qu'on s'en fout. Comment je pourrais essayer à choper ça? Est-ce que si je m'avance? Parce que là, il y a un truc, franchement. Il y a un truc. Il n'y a pas moyen de la péter, la caisse. Oh, je fais un petit explosif. Non. Bon, plutôt, on s'en fout un petit peu, à vrai dire. Ah, d'ailleurs, en plus, c'est même pas ici que je dois venir. C'est là-bas, c'était bien en bas. Bon, bah écoute, vas-y. Pas au combat de faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que cette caisse m'intrigue. À mon avis, il y a quelque chose à y faire. Ça, cette caisse. Ouais, à mon avis, il y a un truc à faire dans la caisse. Que c'est ouverte, il y a d'avoir une arme à l'intérieur. Oh, c'est mignon les plantes. C'est mignon tout plein. Oh, le petit parc zombie, bien sympathique comme tout. Par contre, oh, il est le maître. Bonjour maître. Bienvenue aventurier de la saleté. qui cherche la cervelle cherche la connaissance et vice versa. Ainsi donc vous cherchez une porte. Je peux activer ce détecteur de porte secrète. Mais avant cela, j'ai besoin du parchemin des instructions. Rapporte-moi le parchemin et j'activerai pour vous le détecteur de porte. Bon, écoute. Pas de soucis, proximité du parchemin. D'accord, donc faut le détecter comme ça. Avec le détecteur, on voit si on s'approche. Pour le moment, ça... Ah non, on s'approche pas trop. On peut essayer de trouver dans quelle direction partir déjà. Ah, proximité, on s'y approche. On s'en approche. Est-ce qu'il serait pas en bas dans la grotte? On peut y passer par là? Ah, je me dis que peut-être. Je me dis que ça m'étonnerait pas qu'il l'ait placé par là. Parce que là, ça monte plutôt bien. Bon, en tout cas, c'est un passage, donc on y va. Est-ce qu'il y a pas des trucs? Ça se récupère que dalle. Le passage, je regarde s'il y a pas un truc à faire. Là, il y avait un nain, je crois, à récupérer, que j'ai récupéré déjà. Est-ce qu'on a autre chose? Attends, je tente. Je sais pas si plutôt de l'autre côté. Proximité. Ah, ça monte bien. Enfin, peut-être pas ouvrir des coffres maintenant. Je sais pas combien il reste des toits. Peut-être pas non plus tout claquer d'un coup. Fond. Oh, intéressant tout ça. D'ailleurs, si jamais il y a 50 000 pièces à récupérer, c'est juste là-bas. Steam a fait. Steam974 a fait une vidéo sur sa chaîne qui explique comment faire juste là. Vous montez dessus puis vous pourrez récupérer un peu plus de 50 000 pièces. Ce qui passe, ma foi, plutôt bien, faut dire. Ah, et d'ailleurs, le stand tir, il est juste là derrière. Je vous montre quand même ça vite fait. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ici, il y a le sentier qu'on peut déverrouiller. Je crois que c'est 3 étoiles, ça fait pour le récupérer. Et donc, les étoiles, en fait, on récupère avec les missions quotidiennes. Avec les défis qu'on peut. Bon, là, le courant, j'ai plus grand chose comme défi. Donc, là, par exemple, éliminer un boss Sensei, on gagne un petit point rouge. Et le point rouge, juste c'est un multiplicateur d'XP, plus une étoile. Et du coup, enfin, une étoile, non, et plusieurs étoiles, j'ai n'importe quoi. Donc, je dis n'importe quoi. Là, il y avait 3 étoiles à gagner. Vous êtes gentil, là, les plantes. Mais vous mourrez. Voilà, ça, c'est dit. Pas, pas de temps. On a pas que ça à faire non plus. Pas tous quand même costauds. Ils sont quand même costauds. Pose vite la petite protection là. Histoire qu'ils s'excitent tout seuls. Et pour l'instant, je l'ai fini à l'ancienne. Bon, c'est pas vraiment nécessaire de les finir, mais c'est plus par joie, j'ai envie de dire. Par plaisir personnel. C'est tellement jouissif de se les faire comme ça. Enfin, allez, on s'est fait juste ceci là. Juste ceci pour le plaisir. Et après, on essaie de tracer. Voilà, c'est tellement bon. Ouais, un peu chaud là quand même, c'est faire. Après, c'est qu'il va y avoir de plus en plus, donc on va peut-être pas rester là 20 minutes. Enfin, on va pas s'en sortir. Allez, meurs, saleté! Meurs, j'ai dit! Voilà, ça c'est fait! Oh, il y en a partout! Attends, on part proximité du parchemin. Apparemment, c'est par ici. C'est l'air d'être par ici. Truc de puissance, on va peut-être pas le faire maintenant. On est un petit peu occupé, on est en pleine quête, les amis. Nous sommes en pleine quête, on est sur le bon chemin là. Proximité, c'est en train de s'exciter. On voit les trucs qui s'activent de plus en plus. Il y a, à mon avis. Ah, c'est perturbant quand même, c'est assez perturbant ce petit citron ici. Un jour, il faudra savoir comment ça fonctionne. Attention, pas trop pas tirer l'alarme. Enfin, déclencher l'alarme ici, c'est un petit peu gênant. Ah, est-ce que c'est dans le quartier, là? Proximité... Ah, non. Ah, lance en approche. Ah, donc ça va être dans le quartier. Ça va être dans une maison par ici. Proximité parchemin. Il doit pas être loin. T'en meurs, toi. Il est juste ici, à mon avis. Ah, c'est ça, tous les coups. Est-ce que c'est bien ça? Yes, magnifique. Interaction court. Oh, il est joli. Il est joli, ce petit parchemin, écoutez. Oh, putain, petit coffre et tout. D'accord, qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est ça, trop bien. Ah, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Effectivement, c'est une des plantes en jardin ops. Enfin, non, cimetière ops pour être exact. Tu dois te battre contre elle. Elle est plutôt stylée. Elle perd de l'argent quand tu tires dessus.
Et elle fuit, puis elle te bloque. Attention, elle te stone en fait quand elle donne son coup. Allez vite, ce qui est assez terrible. Ce qui est assez terrible. Vas-y, est-ce qu'on tente? Oh, bien placé. Très très bien placé. Donc quand on la touche, elle perd des petites pièces. Ce qui est plutôt pratique. T'es coincé là, je crois. Oh, t'es coincé, oui. Vas-y vite. Oh, je l'ai foiré. Oh, mon boulef. On se passe sur la paix. Bon, vous avez calmé la petite plante. Vous avez aucune vie, donc vous me foutez la paix. Merci. En fait, pas trop très bonne idée. Concentre-toi pas trop sur la petite plante, on ne se sortira pas. Parce que l'autre est en train de se barrer, vite fait. Il faut le rattraper. Aille par là-bas. Bonne idée, écoute. Je suis juste là. Ne bouge pas. Ne bouge pas, mon petit. Parce que j'ai. Ah, oh, zut, raté. Raté. Et c'est qu'en fait, il me fuit, donc forcément, c'est toujours un peu compliqué. Allez, meurs. Il est très résistant. Il perd un peu de flic. De flic, je veux dire. Non, tu m'auras pas. Je veux pas. Ah, il m'a stoné. Il te stone, mais super loin, en fait. Et je sais pas si peu importe la distance que t'es. Si tu es à une certaine distance, t'es pas stoné. Tous les cas, en train de prendre plutôt cher là, le monsieur. Wow, allez vite! En plus, je commence à perdre de la vie là. Je commence à perdre méchamment de la vie. J'aime moyennement ça. Allez, petit sprint! D'accord, ça lui a absolument rien fait. Et quand je dis absolument, c'est absolument. Allez, vite, vite, vite. Non, 24! 17! Vite, vite, vite! Ouh! En plus, c'est une petite plante à deux balles qui me fait mal. Attends, il a un petit peu parce que là, j'ai pris trop cher. J'aime pas trop ça. On se calme, récupère un peu de vie tranquillement. Au calme. Pendant que tu prends bien, bien cher, mon gars. Allez, vite! Non, non, vous ne toucherez pas! Me toucherai pas, saleté. Ah, il est presque mort. Il est presque mort, on y croit. Récupère ta vie, c'est le plus important. C'est le plus important pour le moment. Faire gaffe, pas qu'on arrive dans le dos. Parce que j'ai quand même pas grand chose niveau vie. Et pas que quelqu'un là, j'ai vu qu'il y avait une plante, pas du tout. Je vais tirer dans le vent. Oh yes! Ça, c'est fait. File-moi tout ton argent. Oh, ce délicieux argent. Vous allez me calmer les plantes, s'il vous plaît. Aïe, non. Allez, vas-y, t'es passé. Faire mon sprint tactique est prêt. J'ai voulu le faire. Ça ne servait à rien, il n'est pas prêt. Alors, objectif. Interaction en cours, je le récupère. Récupérer le parchemin, terminé. Salut toi, tu es mort. Du coup, ah bah ça se téléporte, parfait. Maître Zen, alors voilà. Voyons un peu. Oui, après un examen attentif du parchemin, j'ai découvert que le détecteur de portes secrètes ne fonctionne que si on l'allume. Waouh, merci pour l'info. Faites passer le message à votre scientifique. Ça devrait marcher beaucoup mieux maintenant. Que la cervelle soit avec vous. Donc ce sont tous des très très grosses lumières à mon avis. Niveau zombie, ils ont un niveau d'intelligence assez exceptionnel. Quête terminée, 2500 points. Enfin pièce. Parfait tout ça. Salut, j'ai ce que tu veux. Bonjour zombie, détenteur du détecteur de porte. Vous avez l'air délicieusement pourri aujourd'hui. Vas-y, on y est presque. Mince, ouh, 7500 quand même de récompense. Ça m'a l'air assez pas mal ça. Le détecteur de porte est activé, mais il est déchargé. Rechargez-le pour trouver l'entrée du secrète du laboratoire du Dr Zombos. 7500, c'est quand même énorme. Oui, on va voir ça, détecteur allumé et faire bip bip, bonne cervelle. Maintenant, vous avez activé et trouvé entrée secrète. Vous prêt à activer et à trouver labo du Dr Zombos? Tout à fait. Quelque chose ne va pas. L'appareil ne fonctionne pas. Alors ça, j'aurais jamais deviné, franchement. Qui aurait cru que ça ne fonctionnerait pas? Zombos veut vous aider dans le désert. Quoi? Veut vous aider dans le désert? D'accord, si tu veux. Pas dire pourquoi. Attends, Zombos veut vous dans le désert? Ah, pas dans le désert, dans le désert. Je pense pour dire qu'il veut que tu démerdes tout seul, peut-être. Dans le nulle part, le néant, peut-être. Pas dire pourquoi, ok. Moi, je dis ok à chaque fois, mais je peux dire non. Mais je pense que si je dis non, ça m'arrête simplement la quête. Autrement, ça me téléporte direct. Ah, voilà, désert. Oui, vraiment, dans le désert. Non, c'est pas une façon de parler. On est téléporté dans le désert. Et du coup, est-ce que je prends qui je veux? Parce que du coup, j'ai aucune idée de la mission qu'on va avoir. Donc c'est clair que... J'hésite. Celui-ci, j'ai un supprimé, est quand même tellement cool. Je me dis que ça pourrait fonctionner. Ah, j'hésite. Est-ce que j'ai des améliorations? Non, pas encore. Je sais pas quand on va s'y jouer avec. Allez, vas-y, on va tester. On va le prendre, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne, en espérant que ça joue. Est-ce que genre, je dois faire peut-être une sorte de cimetière-up, un truc comme ça? C'est possible. Oh, plusieurs quêtes apparemment. Je sens le combat arriver, les amis. Le bon gros combat comme il faut. Qu'est-ce qu'on a? Ressusciter un héros zombie. D'accord. Donc on a 3 héros. Vous devez charger les détecteurs, construire. Mince, il fonctionne à l'énergie solaire. Dépêchez-vous, ne traînez pas ici. Invoquez des alliés. Invoquez des alliés dans le mode jeu. Ops, en solo, sélectionnez un personnage que vous avez déverrouillé. Ah, c'est pour basculer, ok. C'est pour jouer en fait un solo. Oh bah écoute, tiens. Il est plutôt cool. Ensuite, plutôt qui donne la vie en fait. Un qui donne la vie, c'est quand même plutôt pratique. Éventuellement, lequel qui peut être sympa. On m'a dit que le toxique était pas mal. Ouais, vas-y. Allez, fais péter le toxique. Et voir même 2 qui donnent de la vie, parce que c'est quand même la base. Allez, tiens. Voilà.
S'ils filent un peu de vie, ils feront le taf. Mince, il fonctionne à l'énergie cerveau. Oui, il faut l'activer tout ça. On y va direct. Donc, effectivement, c'est un sort de Simtirops, a priori. On va devoir se battre. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Je suis là pour. Je suis chaud, chaud bouillon. D'ailleurs, pendant le live de 10h, on a fait pas mal de jardins à Simtirops. C'était vraiment sympa. On a réussi à gagner une partie dans chaque clan en dingo, en mode dingo. Qui est pourtant un mode assez violent, mais ça a été. J'ai plus galéré dans l'un, là, dans le 2, ça va. Parce que là, c'est difficile. Faut mieux avoir des bons partenaires. Mais c'était faisable. Alors, viens donc par là. Activation du cimetière. Donc c'est bien ça. Bonne chance pour charger le détecteur de porte. Après, c'est bien ça. Ah, genre, c'est quoi, là? Là, il y a une porte qui s'est ouverte, tu crois? Oh, on verra. On verra, c'était de la pierre tombale. Bon, bah écoutez, on va faire notre taf, on va défendre tout ça. Y a pas de souci, je suis là pour ça. Donc si je fais comme ça, je change de perso. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Et en plus, un petit succès. Métamorphe. Oh, excellent. Changer de personnage dans le mode Ops en solo. Effectivement, bon, pendant que je garde lui. Du coup, le petit, c'était pas le meilleur perso à prendre. Peut-être pas le meilleur perso dans le genre de mode. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je sens assez bien, en tout cas, perso, au fond. Éliminer les tournesols pour charger les détecteurs de portes. Ah, d'accord, bah écoute. Si juste leur péter la gueule, moi, je suis pour vague de quête 1. On verra combien il y a de quêtes, c'est bien 10 quêtes comme pour le Cimetière Ops. On verra ça. Ils arrivent d'où? Ah, de là, vite, vite, vite. Au combat, général. D'ailleurs, tu peux tirer ton petit saut, histoire de leur prendre un peu de respect. Direct comme ça. Ah, nous, on perd pas de temps. On perd pas de temps, on n'a pas que ça à faire. Bon, en plus, ça bague 1. Autant vous dire que c'est plutôt rapide. Ah, j'aime bien ce perso. Là, pour ce genre de mode, je pense qu'il est vachement efficace. Parce qu'il y a une bonne grosse batteuse, une grosse cadence de tir, beaucoup de munitions. Autant vous dire que c'est plutôt efficace. Par contre, attends, j'allais tourner le sol, je vais vous calmer un coup. Vous calmez rapidement, s'il vous plaît, j'ai dit. Non, t'as pas envie? Et toi, pas le coup. Bon, bah voilà. Au niveau 4, ça, c'est fef. Construire un bot, non, pas un. Ah, c'est cool, il file de la vie, c'est parfait. J'aurais dû limite en prendre 3 comme ça. Comme ça, t'es en mode full life, c'est bien pratique. Par contre, j'ai l'impression qu'ils m'ont pas mis full life avant la fin de la vague. Faudra voir s'ils le font pendant le combat. C'est quand même plus pratique. Vague de quête 2. Oh, le mecha. Yes, le... Ah, il est tellement cool ce mecha, j'adore. Le mecha. Comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai un trou. Le diable Tinkone, voilà. Il est tellement efficace. Salut tout le monde! Comment ça va? Ne bougez pas. Voilà. Ouh, ils prennent cher. Ils prennent cher, les potes. Ah, parfait, et puis de la vie, non? Pas qu'à la fin de la manche, toutes les. Ils font bien, enfin, ils sont intelligents. Tant mieux, ça m'arrange. Par contre, toi, tu vas te calmer. Il suffit de la vie entre eux, ça m'arrange pas du tout, ça. Ouh, ça fait mal, vite, vite, vite. Ah, quand même, pas faire l'idiot. Moi, je joue un peu en mode violon, mais non, non, ils font quand même très, très mal. Vague parfaite. Effectivement, ils font quand même très, très mal, donc on va peut-être pas faire le coup. Genre, par exemple, mettre quelques trucs. Oh, tiens, un petit incinérateur par là, ça pourrait être sympa. Parce qu'on le met en bas. Non, peut-être pas un incinérateur là. Qu'est-ce qu'on aurait qui est dispo? Longue portée, frappe aérienne. Ouh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah non, frappe aérienne, j'aurais dû mettre là-bas plutôt. Fin. J'aurais dû mettre là-bas, il est plus à l'abri à mon avis, il y a moins de chances qu'on le touche. Est-ce qu'il me reste encore un? Malheureusement, non, j'en ai pas l'autre. Je suis toxique. Alors, limite un petit peu de vie, je peux me mettre là. C'est bon ça, ouais, vas-y. Je vais péter la vie comme ça, on sait que si jamais j'ai ça qui est prêt. Attends, la vague arrive d'ouf. Comme se concentre un petit peu, ils ont l'air de venir par là ou bien. Ouais. Il y a du monde. Allez, boum. Ah, par contre, effectivement, au niveau tournesol. Ouf, il y a du monde par là. Salut, tournesol. Comment ça va la vie? Pas trop dur? Prenez ça dans la face. Merci. Vous êtes gentil. Ils prennent relativement cher là. Ils prennent relativement cher, comment ça va? Je me fais pas trop de soucis. Il y a un petit incinérateur pour leur prendre le respect. Ouais, c'est qu'ils se refilent de la vie mutuellement, c'est assez chiant ça. C'est assez gênant. Arrête de te filer de la vie, saleté. Recharge plus vite. Et finis l'œuf. Allez, meurs. Ah, c'est pas vrai, ils me font. Eh, mais je vais mourir, t'en fais pas le con. Fais pas l'idiot. Ne fais pas l'idiot. Parce que là, je suis quand même vachement juste. Je suis quand même vraiment juste. Ouf. Allez, file-moi de la vie, fais ton taf. Fais ton taf, mon gars. Merci, t'es le meilleur. Tu es le meilleur. Ah, ce perso, j'adore. J'aime beaucoup. Ils arrivent d'où? Attention, ils sont en train d'arriver là. Non, dégage. Ouf. Est-ce que du coup, ils ont réussi à toucher? Je crois pas. Ah oui, ils ont touché un petit peu la pierre tombale, zut. Dommage, dommage. C'est pas grave. Tiens, un petit électro ici. On va quand même passer quelques trucs, ça peut être utile. Parce que, mine de rien, c'est pas si facile que ça. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être efficace? Toxique, portée moyenne. On a pas une portée assez longue. Courte portée, longue portée. Ah, y'a ça. Bah écoute, vas-y. Je t'en prie, longue portée. Fais un peu partout, quitte à faire. Oh, y'a du monde là. Y'a du monde. Salut tout le monde. Prenez donc ça. Ouf. Edith, pose un truc. Ah, j'ai rien vite. Wow, ça fait mal. Ça fait mal. Heureusement qu'ils prennent cher. Attends, ils tournent le sol. On va se concentrer là-dessus. Parce qu'ils sont forcément un petit peu chiants. Je vois absolument que dalle. Je tire au hasard. Non, mais je me fais défoncer en fait. Je me... Ouah, mais je me fais défoncer. Ah, j'ai passé un peu trop en mode YOLO. Rester comme ça au milieu de tout le monde. Mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Ah, soit à couvert. On recule. Eh, tout le monde recule. On reprend. Ouah, vas-y, barre-toi. Mais du renfort. Parce que franchement, mine de rien, ils font mal. Tu veux comme ça jouer sans trop prendre la tête, c'est une mauvaise idée. Par contre, toi, tu vas mourir. Non, même pas. Elle est bien résistant. Yes, il file du fric. Il file du délicieux fric. Je prends. Enfin,
Ah, du coup, les tourelles sont quand même bien utiles, on va quand même placer quelques-unes. Parce que mine de rien, ils piquent les yeux. Faut quand même faire un peu attention. Parce qu'ils font plutôt mal. Le petit truc électrique, j'aimerais bien garder celui-ci, pas que je le perde. Parce qu'il est assez efficace, les frappes aériennes, ça peut être bien pratique. Ces immirables tournesols ne sont pas assez puissants. Effectivement, elles ne vaincront pas face à ma puissance. Mon énorme et grosse puissance, ça déchire. Sans jeu de mots, bien sûr, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a, incinérateur? Ça peut être drôle, ça. Ça peut être mignon tout plein. Bon, j'ai claqué absolument des tonnes de trucs. Mais bon, c'est plus pour la vidéo, histoire de profiter au max. De bien gérer et pas faire trop de bêtises. C'est vrai que dans l'absolu, peut-être pas non plus super utile d'avoir autant de... Parce que je touche... Oh, tout ce qu'on fait des dégâts. C'est des petits dégâts, mais des dégâts partout. Quoi. Ce qui est plutôt pratique. Par contre, il prend absolument mais que dalle, lui. Donc, concentre-toi d'avoir ce petit, parce qu'il prend mais très très peu de dégâts, la grosse plante. En plus, il file de la vie à tout le monde. Oh là là, c'est pas cool, ça. C'est pas cool. Arrête de le filer de la vie, saleté. Meurs. J'ai dit meurs. Allez, recharge. Recharge, ça, c'est bon. Niveau 5, est-ce qu'il y a d'autres potes? Est-ce que t'as d'autres potes qui sont en train de faire mal à mes tourelles? Puis-je monter en niveau? Parfait. Je te remercie. D'abord, super d'avoir toutes les petites plantes. On va se concentrer là-dessus. Et après, on fera le gros. On fera le gros bois, je pense que c'est mieux comme ça. Parce qu'autrement, on va pas s'en sortir. Tiens. Petit ZPJ dans ta face. Voilà, t'es mort, mon gars. Foutez la paix à mon. Ah, mon drone, à mon truc. Dégagez, saleté. Ok, il y en a un qui arrive avec son. Oh, son petite armure assistée qui passe bien. C'est bon, bon lui. Oh, la tempête qui se lève. Ça, c'est cool. La tempête, c'est bien pratique, je trouve. C'est assez stylé de pouvoir changer comme ça. Un peu comme dans Battlefield où t'as des changements au niveau de la carte. Là, t'as les détails. La tempête qui se lève en plein milieu. Tiens, pense à mon gars. Pense à. Ouh, tu prends cher. Tu prends trop cher en face. Tiens, bouge pas. Voilà. Il est pas pris très cher là pour le coup. Pas pris spécialement cher, mais bon, si on le bourrine comme ça, je pense que ça va le faire. Je prends pas de dégâts là, c'est parfait. Allez, finissez-le. Finissez-le tous ensemble. On le vaincra. Oula, allez vite. Finissez. Ah yes. Voilà qui est fait. Vague terminée. Du coup, on doit faire combien de vagues comme ça? Est-ce que ça va être bon? Vous l'avez chargé, mais vous pouvez. Quoi? Mais pouvez-vous l'utiliser? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais envoyer quelqu'un vous chercher. Ah, a priori, ça a l'air d'être bon. Fond. Ça a l'air d'être bon. Bah écoutez, c'est pas si difficile que ça. J'ai un peu gaspillé mes petites tourelles, mais c'est pas grave, elles sont là pour ça de toute façon. Fond. Oh, petit succès! Mince! Terminé, mince. Effectivement, waouh! Ça, c'est du succès. Ils sont bien pris la tête au niveau de la description. Oh, 7500 piastres quand même. C'était, ma foi, plutôt rentable. J'aime ça. Alors, retour à la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, je peux lui parler, est-ce que je peux enfin réussir à entrer dans cette fameuse porte, dans cette base du docteur Zombas? Oh non de Zombas, reculez! Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne pensais pas vous servir à nouveau, enfin. D'accord. C'est-à-dire, mon petit. Ah, il y a plusieurs, d'accord, Sésame, ouvre-toi. A priori, des mains à la quête. Et apparemment, après, j'aurai des badges Barbe Mort, Diabletin. Donc, il y a différentes missions. Ouh, c'est stylé. Et quand t'as tout fait, tu obtiens le meilleur zombie. Bah, c'est génial, ça. Attends, est-ce que du coup, faut... qu'est-ce qui se passe si je fais ça, Sésame, ouvre-toi? Est-ce que c'est une autre quête? Ouais, c'est toujours le même. Attends, démarre la quête, on va voir. Bon, bien, il est temps de localiser cette entrée. Activez le détecteur de portes secrètes. Donc, c'est bien la même quête. C'est toujours ce docteur patient, parfait. Préparez-vous à faire quelque chose de bien pour changer. Cervelle. Jusqu'à maintenant, celui qui a assuré, c'est moi, entre guillemets. Jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas trop assuré, à vrai dire. Objectif. Oh, ouvrir les coutilles. Qu'est-ce qui se passe? Entrez dans. Oh non, t'es pas sérieux, c'était juste ça la porte. C'est n'importe quoi. J'y crois pas, foutage des gueules. Allez, vas-y, on se lance. Téléportation. Oh, c'est stylé. Magnifique, comment ça, cette base. Big Im Farm. Oh, trop bon. Enfin, un peu tout. Enfin, on a différentes zones, il y a plein de choses différentes. Mais il est tellement complet, ce jeu. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Pas d'autre mot. Objectif, appuyez. Enfin, un zombie assez intelligent pour trouver mon laboratoire secret. Vous pensez avoir les tripes et les cervelles pour devenir le meilleur zombie? Clairement, enfin. Nous verrons ça. Pour l'instant, mes zombies ont encore beaucoup de missions à accomplir. Oh, c'est stylé. Donc justement, ça l'histoire du meilleur zombie sur le livre. D'accord, donc il faut réussir à faire toutes les quêtes des différents personnages et après tu deviens le meilleur zombie. C'est trop la classe. Du coup, je pense qu'on les fera en vidéo. C'est juste trop la classe. Choisissez un portail inachevé. Choisissez un portail, comment ça? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que j'ai plusieurs portails? J'ai plusieurs choix ou pas? Non, a priori c'est que là-bas. Bon, bah on y va. Fin. Nous y rendrons, on va voir ce que ça donne. Avec mon super souffle de la mort. Wouhou! Oh, mais attends, il était ralenti. Attends, est-ce qu'il a raté? Vas-y, ressaute. Oh, mais ils l'ont à fond nerfé comparé au 1. Alors, à moins que c'est avec le perso, je sais pas. En tout cas, il me semble que dans le 1, tu sautais vachement plus loin que ça. Donc là, parce que t'as deux sauts. T'as celui qui saute en haut et celui qui saute justement en longueur pour avancer plus vite. Et là, c'est celui qui est en longueur et franchement, il avance pas grand chose. Alors, objectif. D'accord, donc effectivement, maintenant on peut choisir ça. Et ça correspond justement au tableau qu'on a vu tout à l'heure.
Dans le tableau, comment je peux le revoir? Montre-moi le tableau. Localiser la porte. Parce que si je mets ça... non, je peux pas l'ouvrir. Comment j'ouvre le livre? Donc maintenant, on pourra... Ah, on pourra lancer ça, c'est parfait. Donc en fait, ça sert à ça, ces trucs. On savait pas à quoi ça servait. Et donc forcément, il faut se mettre dans le bon personnage, je suppose, pour l'activer a priori. Ah non, je peux l'activer direct. Ah, mais on verra ça. On verra ça, mais on sera dans d'autres vidéos, les amis. Je vais juste retourner voir le livre. Parce que par rapport au livre, j'ai envie de savoir... Est-ce que je peux... Bah du coup, ouais, ça serait une autre mission. C'est qu'on a vu tout à l'heure. Le docteur Zombe, c'est toujours là. Est-ce que je peux voir le livre? Montre-moi ça. Comment je fais pour voir le livre? Yes, c'est juste là. D'accord, donc c'est bien ça. Sésame, ouvre-toi, c'est en cours. Ah, elle est pas terminée. Ouais, du coup, on va continuer, écoutez. On va continuer à purer, c'est pas terminé tout ça, donc on y va. Enfin, par contre, niveau perso, je sais pas si je dois changer comment ça se passe. J'ai vu qu'il y avait le... On va prendre lequel? Ouais, bon, on y va. On y va, on verra bien. Ah, quoique non. Ah tiens, enlevez. Enlevez Grava, vas-y. Oh, excellent. Du coup, on peut reconstruire comme ça, c'est stylé. Par contre, niveau pièces, j'en ai combien? 24. Oh, mais j'en ai plein de pièces. Vas-y, fais péter. Fais péter, on fait de la déco. On fait de la déco par ici. Et je peux les choisir, des statues personnalisées. Le truc n'a absolument rien à voir avec les quêtes, mais je voulais juste... Oh oui, on peut les choisir et tout, mais c'est trop stylé. C'est génial. Oh, celle-ci, je la veux. Celle-ci, je la veux, elle est trop... Oh, magnifique. Ah, c'est génial, tout ce système de personnalisation. Même la base, on peut la personnaliser. C'est bon, ça. Et celle-ci était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on mettrait? Oh, général. Le général, j'adore. Tiens, vas-y, fais péter. Bon, c'est classe. C'est très, très classe. Alors, du coup, il faut choisir un portail. Objectif, on a trois choix. Je prendrais bien le diablotin, franchement. Enfin. Tiens, vas-y, lance-moi le diablotin. Enfin. Qu'est-ce que je vais faire? Activer. Oh. Ça fait quoi, genre un téléporteur? Oh oui, téléportation. Bonjour. Oh, une base. Oh, mais j'adore. Oh, c'est la fabrique de diablotin. C'est trop efficient. Il s'est endormi. Les clins d'œil, les petites blagues, j'adore. T'as la fabrique avec le petit diablotin qui s'est endormi sur le truc. Oh, c'est génial. C'est tellement génial. On voit tout ça. Différentes bases. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oh, un coffre. Un coffre secret. Alors, monsieur le diablotin, tu peux te réveiller? Mechazed, bonjour zombie, je suis un Mechazed intelligent. Je peux effectuer 40 teramilliards de calculs à la seconde. Mon nom est Mechazed 1111, enfin 10113. On m'appelle aussi Steve. Ah, c'est plus simple Steve quand même, on est d'accord. Et donc du coup, s'il y a différentes quêtes... Oh, c'est bon ça, différentes quêtes. Et du coup, ça tu peux obtenir après le badge diablotin. Enfin, oh bah parfait tout ça, parfait, parfait. Donc ça par contre, on le fera dans une autre vidéo. Enfin, parce qu'effectivement, ça devenait un peu compliqué. Ça fait un peu trop long, ça en fait tous les trucs. Donc, juste revoir. Est-ce que je peux voir le livre en entier? Non, je peux pas voir les autres pages. Bon, écoutez. Donc, on n'a pas fini le premier docteur. Est-ce que, ouais, pour finir, je pense que je vais finir les trois autres badges. Ça va être pour ça. Ouais, du coup, cette fois, alors c'est fini. Prochain épisode, on passera du coup sur le suivant. Sûrement, du coup, c'est directement celui-ci. Je vais enchaîner l'enregistrement. Ça va me faire toutes ces petites missions qui sont absolument génialissimes. Du coup, les amis, on se laisse là. Pensez à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!